Les grandes puissances en conviennent, l'histoire abonde en preuves de la chose et le séparatisme terroriste de ceux qui le contestent devrait suffire à les écarter de toute reconnaissance institutionnelle. C'est pourtant en leur faveur que la Cour de justice de l'Union européenne a tranché le vendredi 4 octobre dernier. L'annulation des accords agricoles et de pêche entre l'Union européenne et le Maroc est une décision hautement dommageable à la fois pour nos pêcheurs français, mais aussi pour le continent européen dans son ensemble, tant il a besoin de multiplier les alliés fiables autour de la Méditerranée. Nous, députés français au Parlement européen, avons l'habitude que la Cour de justice balaye des principes aussi essentiels que la souveraineté des nations et la continuité historique de leur territoire. Nous comprenons bien avec quelle douleur le Royaume du Maroc a pu accueillir une décision fondée sur l'idéologie plutôt que sur le droit. La Cour de justice de l'Union européenne entrave de manière délibérée le rapport de confiance entre le Maroc et l'Europe, dont l'intérêt commun, objectif, est d'approfondir leurs relations diplomatiques, d'améliorer les échanges économiques et d'intensifier la lutte contre l'immigration clandestine et le terrorisme. Pire, la Cour de justice affirme que les Sahraouis bénéficieraient davantage de leur prise en otage par les fanatiques du Front Polisario que de l'aubaine économique que représente pour eux un partenariat économique avec l'Europe. Et ce, alors que le Front Polisario détourne depuis des années, avec la complicité d'Alger, l'aide humanitaire européenne pour la revendre, acheter des armes et poursuivre leur guérilla terroriste. Le gouvernement francophobe d'Alger a d'ailleurs sablé le champagne et félicité la Cour pour cette décision. L'Algérie prouve encore une fois qu'elle est bien le grand argentier des mouvements qui voudraient attenter à l'intégrité territoriale du Maroc. La Cour de justice envoie alors un signal terrible, un message que toutes les puissances qui veulent perturber les relations économiques européennes recevront 5 sur 5 au détriment de nos nations et de notre crédit international. Le Maroc est un allié et un ami de la France et de l'Europe. Au Parlement européen, dans les commissions du commerce international, l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée et la délégation pour les relations avec le Maghreb, nous défendrons toujours la même ligne. Notre interlocuteur, c'est Rabat, pas les miliciens du Front Polisario au service de l'Algérie. Je fais partie de ceux qui ont été surpris et profondément déçus par la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ce 4 octobre. Cette décision entraîne l'annulation des accords commerciaux entre l'Union européenne et le Maroc. Et cette décision est contraire à l'intérêt des nations européennes, et j'ose le dire, elle est même méprisante pour le Maroc. Elle rejette en effet un accord qui était pourtant équilibré en s'appuyant sur la notion d'autodétermination et l'absence de consultation de la population sahraoui lors des négociations. Pour l'Union européenne, qui rêve de voir disparaître les nations européennes, cette décision relègue le principe sacré de l'unité nationale marocaine au second plan. Doit-on aussi en déduire que l'Union européenne aurait pu consulter les pêcheurs bretons avant de conclure un accord défavorable pour leur secteur avec le Royaume-Uni? Doit-on encore se demander pourquoi, dans ce cas-là, l'Union européenne n'a-t-elle pas demandé l'avis des éleveurs bovins d'Auvergne avant de signer probablement dans l'avenir un accord avec le Mercosur qui risque d'entraîner la perte de notre élevage? Évidemment, personne n'a jamais pensé à consulter les pêcheurs bretons ou les éleveurs d'Auvergne. Si bien que cette décision, qui semble prendre l'unique partie des revendications séparatistes du Polisario, un mouvement lié aux islamistes radicaux du Sahel, paraît pour le moins inacceptable. Tout cela se fait, bien sûr, au détriment d'un partenaire stratégique pour l'Union européenne, à tel point que déjà 9 pays, et pas des moindres, la France, l'Espagne, la Hongrie, les Pays-Bas, l'Autriche, la Belgique, l'Allemagne, le Portugal et l'Italie, 9 pays qui ont déjà publiquement désapprouvé cette décision de la Cour européenne de justice. Espérons qu'après ce malaise collectif, nos efforts de coopération avec le Maroc sur la lutte contre l'immigration illégale et notre coopération sur le terrorisme ne sera pas fragilisée et pourra se poursuivre. À tous les citoyens marocains, en attendant que la Commission clarifie ce contresens juridique, je tiens à vous assurer que les députés patriotes français et moi-même n'approuvons pas cette décision. Le Rassemblement national continuera à soutenir l'intégrité des nations, c'est-à-dire l'intégrité nationale du Maroc, face à des revendications séparatistes
encouragés depuis l'étranger.